Tu peux nous montrer l'évolution des casques et des combis? Parce que j'ai pas compris. Donc voici la combinaison et le casque des pilotes qui roulaient en 1950. C'est incroyable. Je sais pas si ça protégeait très très bien ça quand même. Heureusement que je roule avec un casque qui protège un peu mieux. Et la combinaison elle est incroyable. Attends, on dirait pas une combinaison de course. Ensuite on va voir le casque de Juan Manuel Fangio. Et c'est le vrai casque. Hein. On voit qu'il est dur et qu'il y a des lunettes. Bon et du coup il y a l'évolution et tout ce qu'il y a à l'intérieur des vitrines c'est les vrais casques et les vraies combinaisons des pilotes. Si vous connaissez le film Rush, vous devez connaître sûrement James Hunt et Niki Lauda avec leur casque ici. Il y a quand même une nette progression sur les casques. Ensuite, on continue, Nelson Piquet, voilà, Keke Rosberg, Alain Prost. Voilà, c'est des vrais casques maintenant. Ayrton Senna, bien sûr. Chaussures, gants, casque, combinaison de Michael Schumacher. Alonso, son premier titre de Formule 1. Et bien sûr, on finit par Hamilton, sa combinaison et ses quatre casques.